Hello les guys, ça me fait plaisir de vous retrouver. Cette fois-ci, ça va être à l'encontre des plus gros achats, machin. On va partir sur du zen, mais là c'est du 100% nose. Je sais que ça plaît beaucoup à ma commu et même ceux qui sont pas du tout abonnés à ma chaîne. Je sais que ça attire, les gens aiment bien regarder ce qu'on va chiner à nose, voilà. Et là j'ai trouvé plusieurs Blu-ray. Il faut savoir comment, voilà, comme je l'ai déjà dit, je suis à Toulouse, il y a deux noses. Elle a souvent que dalle. Et là, trouver du Blu-ray, c'était genre le petit bonheur, je vous cache pas. Et il y a de très bons titres. Et c'est maintenant. Pour commencer, j'ai pris la série Z Nation, donc l'intégrale de la saison 1. Vous allez voir, c'est un coffret avec plusieurs saisons. Donc là, il y a la saison 1. On m'en a dit du bien. Si c'est pérave, ça partira au cash. Ceci dit, j'ai quand même envie de l'essayer, cette série. Donc voilà, la saison 2. Voilà. L'arrière, on s'en fout un peu, la saison 2. Et la saison 3, je ne sais plus combien il y a de saisons, je crois qu'on était sur du 5-6, à vérifier, évidemment. Ah, ici, voilà pour la série, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, peut-être que c'est nul, on verra bien. Un village presque parfait avec Didier Bourdon, peut-être bien que c'est claqué, mais ce genre de petits films français, des fois, je peux leur un peu leur donner une chance. Voilà, ça peut être assez frais à regarder. Escobar, bah parce que je voulais le regarder celui-là, donc je ne sais pas évidemment ce que ça vaut, mais voilà, j'avais envie de le voir, hein, bon duo d'acteurs, ça me dit bien. Boon Tomahawk, je sais pas, celui-là, on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était pas mal, mon pote Antoine qui m'a conseillé, il m'a dit que c'était bien, donc je lui dis pourquoi pas à essayer. Hein. Il y a quasi que des trucs que j'ai pas vu, hein, c'est un peu dans l'essai, hein, savoir que c'était que des films qui étaient 1,99€, 2,99€, donc vraiment des bas prix. On perd pas grand chose, après ça peut très bien se revendre facilement. Les Schtroumpfs et le village perdu. Donc pareil, voilà, je l'ai pas vu celui-là. Je sais que les autres Schtroumpfs sont pas terribles, mais celui-là c'est que de l'animation. Donc j'avais vraiment envie de l'essayer, de fait que c'était que de l'animation. L'homme qui défiait l'infini. Voilà, pareil, je sais pas, c'est le casting. Il y avait un truc qui m'a attiré sur celui-là. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être plutôt bon ça. Le grand jeu. Alors ça c'est vraiment un film que j'ai adoré, vraiment incroyable, grand film. Jessica Chastain est vraiment phénoménale dedans, c'est un film vraiment à regarder celui-là. Ghost Rider, le 2, vraiment dans le principe d'avoir le full set. Regardez les tocs de collectionneur, encore une fois vous allez bien comprendre de quoi je parle. Voilà, pas ouf. Braqueur, bah parce que j'avais envie de l'essayer celui-là, peut-être que c'est pas terrible, voilà, mais faut quand même essayer avant de juger. Je regarderai, ça se trouve c'est très bien, donc à voir. Point Break, voilà, j'ai ni vu l'ancien, ni vu le remake. Je me suis dit, bon, faut bien que je commence quelque part. Pourquoi pas, il était 1,99€, je me suis dit, quand même à essayer, on mourra pas bête, hein. Voilà, et au pire ça partira, comme je vous dis. Pacte avec Nicolas Cage, donc on me l'a conseillé, voilà, donc je sais pas vraiment ce que ça vaut. Je suis pas un grand fan de Nicolas Cage, comme je pense que je l'ai déjà dit. Mais pourquoi pas, c'est quand même un film à regarder. Keen, alors je me rappelle l'avoir raté aussi au cinéma, voilà, on m'a dit que c'était moyen, mais pourquoi pas se donner une idée, voilà, toujours, hein, toujours utile, c'est du 1,99€, en vrai, hey, ça va, c'est pas non plus un truc de fou. C'est tout pour cette fois, voilà, ça a été un... Franchement, pour Toulouse, c'était mortel, hein. Là, ce que j'ai eu à Toulouse, là, c'était assez ouf. Je sais qu'il y en a, ils ramènent des trucs de malade, des pop de ouf, moi, c'est soit beaucoup de pop, soit des Blu-ray, ou soit rien du tout, mais c'est souvent rien du tout. Et là, ça m'a fait plaisir du coup de pouvoir faire une vidéo spéciale Noz parce que ça faisait longtemps, les gars. Eh, hein, vous avez vu que j'étais présent un peu, ok? Et c'est pas fini. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.